Permettant des découpes plus nettes et plus précises qu'une scie sauteuse, la scie circulaire est utilisée pour la découpe du bois. Elle peut aussi découper d'autres matériaux, si le modèle le permet. C'est un appareil extrêmement puissant pouvant découper des planches très épaisses. Il s'agit donc d'un appareil dangereux à manier avec précaution. La scie circulaire dégage beaucoup de poussière et de particules de bois en effectuant sa tâche. Aussi, certains appareils sont équipés d'un aspirateur intégré qui les aspire au fur et à mesure. Beaucoup de marques mettent sur le marché des modèles très différents. Vous êtes prêts à en découvrir plus? C'est parti! Bosch CCS-180B. La Bosch CCS-180B est une scie circulaire qui s'est restée accessible, puisqu'elle est vendue en ligne le plus souvent pour environ 120$. Cela en fait un rapport qualité-prix honnête. Cependant, elle convient surtout à des usages précis et professionnels. Les encadreurs et les couvreurs sont ceux qui l'apprécieront le plus au quotidien. Il a un aspect très professionnel. Sa qualité est conforme à cette apparence. Bosch étant une marque connue pour proposer des produits à l'excellente qualité de finition. La lame incluse offre un diamètre de 165,1 mm, soit 6 1/2 in. Cela correspond à la norme. Mais notez qu'elle est moins polyvalente que ceux qui peuvent être trouvés chez certains concurrents. C'est surtout vrai si vous avez besoin de découper du contreplaqué ou des matériaux résistants. Il faudra la changer, ce qui augmente le coût. Enfin, notez un très bon rapport poids-puissance, puisque l'appareil pèse 2,99 kg, soit 6,6 livres, hors batterie, avec un régime à vide de 3900 tours par minute. Il n'y a pas de fatigue ou de frustration lors de l'utilisation. SkillSAW SPT77WML01. La scie circulaire SkillSAW SPT77WML01 semble aussi robuste qu'elle l'est. Il s'agit d'une scie circulaire légère, exceptionnelle qui vous permet d'apporter votre jeu à chaque travail. Avec 15 ampères derrière vous, vous déchirez les plus gros morceaux comme un couteau chaud dans le beurre. Pour les coupes angulaires, il y a des butées positives de 0 degré et 45 degrés sur le repose-pied, de sorte que vous obtiendrez toujours la coupe dont vous avez besoin, et pas seulement une approximation proche. L'ajustement pour différentes coupes de niveau est rapide et facile, et le moteur d'entraînement à vis sans fin est équipé de pièces en magnésium de bord d'attaque pour réduire le poids et la fatigue du bras. La scie dans son ensemble est magnifiquement équilibrée et ressemble plus à une extension de bras qu'à un outil électrique. C'est un plaisir de travailler avec lui, quelle que soit la tâche à accomplir, parce qu'il ne se défend pas quand les choses deviennent difficiles, et qu'il n'a pas peur des bois d'ingénierie qui deviennent monnaie courante dans tant de projets aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter également notre guide des meilleures tronçonneuses électriques sur le marché pour d'autres produits aussi étonnants que celui-ci. Milwaukee M18. Équipée du nouveau moteur Brushless Power State Milwaukee le plus puissant de la gamme, la scie circulaire sur batterie M18 FCS66 est capable de délivrer la même puissance et les mêmes performances qu'une scie filaire de 1800 watts. En effet, ce nouveau moteur conçu et fabriqué par Milwaukee contient 175% de cuivre en plus que les anciennes générations, ainsi que des aimants haute qualité garantissant plus de puissance et une meilleure longévité. Combinée à la nouvelle batterie M18 HB12 de 12 Ah, la scie circulaire sans fil M18 offre plus de puissance et d'autonomie. Elle peut réaliser jusqu'à 750 coups dans des planches de pin de 90 x 45 mm en une seule charge. De plus, sa lame de coupe de 190 mm assure une profondeur de coupe de 66 mm à 90 degrés et de 48 mm à 45 degrés, mais peut découper en biseau jusqu'à 56 degrés. Grâce à elle, la scie circulaire M18 peut découper 3 planches d'OS empilées. Pour faciliter vos travaux de découpe, Milwaukee a muni sa nouvelle scie d'un système LED améliorant la visibilité de la ligne de coupe. A noter qu'elle est équipée d'un patin en magnésium robuste pour une meilleure durabilité. Ergonomique, elle est vendue avec un crochet en métal simplifiant son rangement. Enfin, Milwaukee fournit également un adaptateur DEK26 pour aspirateur, compatible avec tous les systèmes d'aspiration de la marque, pour une sécurité améliorée contre la poussière. Makita SP6000J1. Le Makita SP6000J1 associe un moteur de 12 ampères à des composants légers en magnésium pour créer une scie circulaire qui met plus de puissance par livre à votre service que tout autre. Mais ce n'est pas le plus gros argument de vente. Ce qui distingue vraiment la SP6000J1 de la concurrence, c'est qu'il vous offre la précision d'une scie de table portable où que vous en ayez besoin. Le système de coupe de précision permet des coupes sans éclat, même dans des matériaux normalement difficiles à couper. Elle le fait au moyen de la butée de profondeur intégrée qui produit une coupe préliminaire de 1/16 de pouce. Le résultat final, une tranche précise et propre sans éclat qui vous permet de tirer la meilleure partie de la matière. Il y a un contrôle électronique de la vitesse, une capacité de biseautage de 1 48 degrés et une capacité de coupe exceptionnelle de 2 3/16 pouces à 90 degrés et 1 9/16 à 45 degrés. Avec la Makita SP6000J1 dans votre arsenal, votre scie de table va se sentir seule. Assurez-vous également de choisir l'un des bancs de travail portatifs de notre liste pour vous faciliter la vie et le travail.
DEWALT DWE-575-SB. Le DWE-575-SB reste suffisamment solide pour tout type de lame de coupe en bois, y compris les applications lourdes. Il pourrait couper à travers les matériaux les plus résistants avec une grande simplicité, et il ne vous bloquera jamais. De plus, bien que ce ne soit pas le plus rapide, le taux de lame de 5200 tours par minute est certain de fournir une coupe nette et lisse qui semble vraiment professionnelle. Il y a aussi une grande flexibilité avec tous les DEWALT DWE-575-SB concernant la capacité de coupe. Vraiment, cette version a une capacité de biseau maximum de 57 degrés. C'est 1 degré par rapport au Makita 507F, tout aussi populaire. Cela vous permettra de réaliser des coupes angulaires rapides et simples sur vos matériaux dans des angles inconfortables. De plus, comme prévu, ces butées en biseau sont inclinées dans l'angle conventionnel de 22,5 degrés et 45 degrés pour obtenir plus de flexibilité. Si vous jouez des coupes en biseau répétitives dans cet angle, ce modèle de DEWALT finira par être très pratique pour vous. Il n'est pas difficile d'ajuster l'angle de la lame et d'être fixé en position. Cela peut être réalisé confortablement en quelques instants. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire lesquels vous recommandez. À bientôt!